Je sais pas si on va se faire. Et c'est bien hein, Gaëtan, la dernière poste. Et à l'arrivée de 204, Ferran en 1:47.21 pour Schmidt Manuel. C'est bon. La neige est, elle est plutôt bonne, assez molle, elle accroche pas mal. Donc je pense que pour les premiers ça doit être assez plaisant. Après à la fin, je doute de la propreté de la piste. Je pense que ça va taper un peu, mais bon. Ouais, toi tu passes à la fin hein. Ouais, je passe 91, donc disons que ce sera un petit peu marqué quoi la piste. T'es content d'être en Coupe d'Europe? Et écoute, ouais, c'est ma première Coupe d'Europe, donc bon, C'est toujours plaisant, hein. Maintenant j'aimerais bien partir devant quand même. Parce que derrière, ouais, c'est pas pareil derrière. Quand on fait sa première Coupe d'Europe comme ça, et quand on part avec un énorme dossard sur ce type de neige, on a des espoirs quand même. On se dit, un podium pourquoi pas ou pas du tout? Le podium général, non, ça risque d'être difficile quand même, parce qu'il y a quand même des gros devant qui sont très vite, mais non, j'espère faire une belle place d'honneur quand même. Faire une belle remontée par rapport à mon dossard, voilà. J'ai pas d'objectif très précis, me faire plaisir en tout cas. Tu te sens comment? Quelqu'un part derrière moi. Bon, prêt pour cette descente, hein, ça va être bien. Tu l'as reconnue déjà? Oui, déjà. Ouais. Et alors elle te plaît? Ouais, bah oui, c'est la même que celle de l'année dernière, ça va être nickel, ça va être bon. On se régale. C'est quoi tes ambitions pour cette Coupe d'Europe? Bon, essayer de rentrer dans les 30, ça serait bien. On va voir après. Il y a eu un bon travail de fait. C'est sympa ce qui est. Faut que maintenant ça se lève, qu'il fasse beau et ce sera top. Et tu crois que les filles peuvent faire le même temps que les garçons sur cette piste? Ah non. Ah non, c'est impossible. Ce serait bien. Oui. Mais trop dur. Ils sont bien plus forts quand même, faut le reconnaître. Merci. De vrai.